Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition de votre émission Autant le dire de l'année 2021. Cette émission sera consacrée au discours de fin d'année du président de la République, Paul Biya, qui a été suivi dans cet exercice par d'autres hommes politiques, dont Cabral Libi du PCRN et Maurice Kamto du MRC. Pour en parler, notre invité est Charles Atanganamanda. Il est conseiller municipal RDPC. Il a son troisième mandat de conseiller municipal, directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion au ministère de la Communication. Il est notre invité. Je le retrouve dans quelques instants. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Charles Atanganamanda, bonjour, bonne année. Bonjour, monsieur Tanyé, bonne année. Et naturellement, je voudrais adresser mes voeux les meilleurs à tous nos compatriotes, à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir et je dois à la vérité de dire que vous êtes toujours disponible chaque fois que nous avons sollicité, quand bien même vos camarades, pour je ne sais pas quelle raison, fuient généralement les plateaux de débat. En tout cas, votre présence, votre régularité vous honore et nos téléspectateurs saluent cette fidélité à toujours répondre à nos questions. Merci beaucoup, Charles Atanganamanda. Avant d'entrer dans le cœur de cette émission consacrée au discours de fin d'année du président de la République, nous allons parler de la situation aux États-Unis. Donald Trump qui souffle le chaud et le froid sur la scène politique américaine. Que vous inspirent les images du saccage du Capitole que l'on a observé ces derniers jours, Charles Atanganamanda? Oui, des images qui montrent à la face du monde la superbe de la nation américaine, la superbe des États-Unis d'Amérique, pratiquement le nez dans l'eau. Je voudrais dire que ces images-là me renvoient une superposition d'autres images. Un peu ce que le peuple camerounais a ressenti quand certains de nos compatriotes ont pris sur eux de mettre l'anathème sur la mère patrie au cœur de la vieille Europe. Je revois ces individus qui brûlent le drapeau du Cameroun. Je vois cet individu qui va s'asseoir sur le fauteuil d'un ambassadeur du Cameroun dans un pays étranger. Je revois cet individu qui décroche, n'est-ce pas, l'effigie du chef de l'État du Cameroun. Oui, le peuple camerounais a vécu cela comme une bravade, comme une profanation de la République. C'est cela que l'Amérique vient de vivre. Quand je parle de superposition d'images, je vous fais revoir donc cette image de ce jeune Américain qui prend sur lui d'aller s'asseoir sur le fauteuil de la vénérable Nancy Pelosi. Pas seulement cela, le cœur même, cette profanation du Capitole, qui est le très haut lieu historique, n'est-ce pas, de la démocratie américaine. Je vais donc dire que ces images-là prescrivent au peuple camerounais de s'adresser d'abord au gouvernement américain et ensuite au peuple américain pour leur dire que à travers la planète aujourd'hui, nous sommes dans l'enclos global du village planétaire. Le peuple camerounais, dont je suis un élément indissociable à la société camerounaise, eh bien, nous avons naturellement été choqués. Choqués de voir quelques individus égarés, braver, n'est-ce pas, les institutions de leur pays, assurément le pays le plus puissant en matière de construction historique de la démocratie. Et donc, nous disons d'abord au gouvernement américain que, évidemment, le Cameroun est un pays particulier et exceptionnel. Si nous sommes à un moment comme un autre, justement, face à quelques compatriotes égarés qui bravent la nation, qui bravent la République, je ne pourrais pas oublier les images du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où souvent certains dirigeants de cet État américain, tout au moins sous leur trompe,
sous le magistère du président Trump, président sortant, oui. quasiment sorti même déjà, n'est-ce pas, des États-Unis. Ils ont passé le temps à vouloir nous donner des leçons sur le théâtre, n'est-ce pas, conflictuel au niveau du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On en parlera tout à l'heure. Oui, nous en profitons pour dire que les images de la profanation du Capitole, eh bien, nous convoquent à nos esprits aussi la profanation de la République du Cameroun en territoire du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Bien, et je termine donc par les mots par lesquels vous avez commencé cette première partie. Oui, je voudrais vous dire que je voudrais remercier tous vos téléspectateurs de Naja TV et de manière globale, l'espace public national et international où j'ai le privilège, n'est-ce pas, de me déployer depuis de longues années, plus de deux décennies. Et je veux dire que, M. Tayen, je suis un enfant du renouveau national. Je suis de la génération Biya, une génération qui a été préparée, justement, à être utile au Cameroun. Je suis de ceux qui, année après année, chaque 10 février au soir, suivez attentivement l'adresse du président Paul Biya à la genèse de son pays. Et le président Paul Biya n'a eu de cesse, à un moment donné de l'histoire du Cameroun, de nous dire « Préparez-vous à prendre la relève. Préparez-vous justement à prendre position sur tous les grands dossiers qui engageront la vie du Cameroun demain. » Et je pense que personnellement, je suis très à l'aise de me retrouver, surtout dans tout théâtre contradictoire. Oui. Je suis donc de la génération de la démocratie. Oui. C'est pour ça que je suis à l'aise, autant à l'aise sur votre plateau oui. que sur tout autre plateau, parce qu'évidemment, nous avons été préparés à apporter à nos compatriotes la vraie information sur le Cameroun, le vrai Cameroun. Oui. Merci Charles Atangamanda, le ton est donné. On va vous prier de pas être trop long dans les réponses pour nous permettre de faire une émission où on touche beaucoup de sujets. Alors, parlons du discours de fin d'année du président de la République, juste pour une mise en bouche, Charles Atangamanda, globalement, comment avez-vous trouvé ce discours du président de la République? D'abord, une adresse à la nation adossée sur l'absolue véracité des faits. J'ai vu un chef d'État camerounais qui a d'abord tenu à consacrer à la tradition des communications publiques partir de l'actualité récente, à savoir le coronavirus. Décoder avec ses compatriotes la morosité qu'aura été l'espace des 12 mois de l'année 2020. Et aussi, j'ai trouvé un président de la République fringant, fort en termes de développement, n'est-ce pas, situationnel, et aussi tout à fait offensif, parce que c'était à la fois... Voyez-vous, une adresse à la nation que j'ai décryptée sur d'autres plateaux comme étant un discours programme pour la décennie qui arrive, la décennie 2020-2030. Mmh. Et un discours justement de compte-rendu global pour la décennie que nous venons de vivre, c'est-à-dire que la décennie 2010-2020. Et parce qu'au plan économique, vous allez vous en rendre compte que lui-même annonce une nouvelle ère, avec une nouvelle stratégie et... une nouvelle réorientation pour que le pays sache faire face justement aux enjeux actuels. Mmh. Et aussi, l'aspect qui concerne la dimension sécuritaire. Oui. Donc, pour tout dire, j'ai trouvé un président Biya qui a su répondre à certains d'entre vous, dont vous, M. Tayen, en vous démontrant qu'à aucune seconde, il n'a été absent. Il suit attentivement, il monte au créneau quand il le faut, s'adresse à sa nation quand il se doit de le faire et surtout lui-même tient l'attelage. L'attelage, par exemple, pour terminer, de la riposte camerounaise, la riposte nationale, la mise en œuvre de la stratégie nationale contre le coronavirus, oui. une pandémie terrible. Justement face à laquelle le Cameroun a su tenir bon, oui. tout au moins jusque-là. Oui, alors on regrette quand même, il y a pas mal de voix qui sont élevées pour regretter que le président de la République n'ait pas dit un traître mot d'un drame qui a eu lieu quelques jours plus tôt, c'est-à-dire un accident de la circulation qui a fait un peu plus de 30 morts à Bokito, non loin de Bafia, dans le centre. J'ai répondu à cette question sur, oui. naturellement, quand... Dans la nuit du 31, après l'adresse du chef de l'État, nous avions le privilège d'expliquer aux Camerounais justement la profondeur de ce message à la nation du chef de l'État. Et j'indiquais que précisément, dans la prise de parole, n'est-ce pas, au sommet de l'État, en posture à la fois de compte rendu d'opinion à l'échelle du pays et du monde,
et aussi, surtout, en posture programmatique pour montrer au Cameroun, à ses compatriotes, le pays qu'il tient, là où il entend l'amener, là où le pays va et comment il se porte. Le président Biya, justement, a su faire ce qu'il fallait faire. Puisque la veille, et ça, n'est-ce pas, les censeurs autoproclamés, bonimenteurs et autres anathémistes professionnels ont oublié de le relever. Ceux qui cherchent que la petite bête, le président n'a rien oublié. Puisque la veille, ou l'avant-veille, il a lui-même de sa plume adressé un message de condoléance officielle aux familles durement éprouvées dans cet accident de Ndikinemeki. Moi, je donne le coin où ça a eu lieu. Mais cela n'a pas la même solennité. Je n'ai pas terminé, M. Tanié. Dans la même perspective, le président de la République a déplacé sur le terrain une équipe interministérielle. Vous savez, nous qui vivons au quotidien la gestion de la communication gouvernementale et surtout le fait de l'opinion publique, c'était des images terribles. C'était un événement qui ne mérite aucune polémique politicienne. Parce qu'on peut faire la politique autrement. Et le président de la République, au soir du 31 décembre 2020, a fait le bon choix, s'adresser à la nation en termes de tragédie, et évoquer, mettre au frontispice de son propos la tragédie de Kumba, où des terroristes sécessionnistes justement, sont venus assassiner nos enfants, les enfants du pays. On en parlera tout le long. La polémique là est à évacuer. Ce qu'ils l'ont dit était justement, croyez-moi, dans une posture qu'aucun Camerounais n'a retenue, c'est honteux de confondre tout à ce point. Oui. Alors, et si le silence présidentiel à ce sujet, Charles Atalamanda, traduisait simplement la gêne de quelqu'un qui est conscient quand même que ce sont des mauvaises routes qu'il n'a pas pu construire, qui sont principalement la cause de ces accidents qui endeuillent chaque année les Camerounais en termes de milliers de morts. Mais M. Tanié, quand vous posez une telle question, je ne voulais pas vous faire l'insulte de consulter et de mettre en doute votre culture. Ne vous gênez pas. Parce que vous comme moi, nous voyageons à travers le monde. Et les pays, les grands pays au monde qui ont les routes les plus impeccables sont les pays qui ont les tragédies les plus incroyables, justement en termes d'accidents de route. Donc le parallélisme que vous voulez établir est un parallélisme de politique politicienne. Je vous dis toujours et je le redis ce soir. Le mauvais état des routes n'est en rien. Je suis en train de vous dire que vous avez fait justement une mauvaise allusion, qui n'est pas une allusion de journaliste. Revenez dans votre métier. Parce que précisément, votre métier vous impose de vous dire qu'en France, le nombre d'accidents de route, voyez-vous, les accidents de route en France, en Europe en général, font partie de la première. Quand on voit les causes de mortalité les plus fortes avant la pandémie, naturellement, du Covid-19, mais pour d'autres raisons, bien sûr. Les accidents de route sont extrêmement décriés dans ces pays-là. Mais pour d'autres raisons. Ces pays-là, personne n'irait précisément convoquer l'état des routes pour mesure. Absolument. Et donc, votre question est à reformuler. Oui. Et autrement, je voulais dire des choses. Comprenons-nous bien. Oui. Comprenons-nous très bien, M. Tanié. Oui. C'est que le président de la République s'adresse à la nation, des grands dossiers de la nation. La grosse émotion que les assassinats de nos enfants, n'est-ce pas, à Kumba, a suscité, aura fait que précisément le chef de l'État y mette un point d'honneur à revenir dessus dans son adresse à la nation. Parlons justement c'est le de seul ça. Choix. Parlons justement de ça, Charles Atalamanda. Comme c'est le cas depuis ces quatre dernières années, le président de la République est revenu sur la crise qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Vous l'avez dit, il a évoqué la tragédie de Kumba. Il a parlé également de ces violences qui continuent dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État a eu le bon ton par rapport à cette crise qui s'enlise quand même? Écoutez, je pense que le président de la République est resté, bientôt cinq ans, quand est resté cohérent et constant. Oui. Vous voyez bien qu'il aura été jusqu'au bout disposé et disponible à adresser utilement avec ses compatriotes la question du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et vous en souviendrez de ce qu'avant qu'il ne convoque le grand dialogue national, il y en a qui glosaient à travers le pays et à l'extérieur de ce que précisément il n'avait pas à cœur de vouloir dialoguer, etc. Vous avez vu tous les efforts, tout ce que le gouvernement a entrepris sous la très haute impulsion du chef de l'État pour répondre aux doléances, aux récriminations, à tout ce qui était posé par certains compatriotes de ces régions,
tout ce qui était et qui devait être fait a été fait. Le chef de l'État, effectivement, a dit que le gouvernement semble avoir fait tout ce qu'il fallait faire pour amener la paix dans ces régions. Mais franchement, Charles Tanganamanda, vous parliez du grand dialogue national tout à l'heure, mais tout le monde s'accorde aujourd'hui à reconnaître que ce fut... Tout le monde, c'est qui? Tout le monde, c'est qui? Tous les observateurs. Faux, quel observateur? Laissez-moi finir la question. Je ne peux pas vous laisser finir. Laissez-moi finir la question. Vous ne savez même pas encore de quoi je vais parler. Mais je sais, naturellement, je vous vois venir. Attendez. Donc, les observateurs s'accordent à reconnaître aujourd'hui que ce fut un échec, puisque l'objectif du Grand Dialogue National, c'était de ramener la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous l'avez dit, en tant que responsable au ministère de la Communication, vous faites la macabre comptabilité, malheureusement, c'est votre boulot. Ouais. Aujourd'hui, on continue d'avoir des morts dans ces régions-là. Est-ce que le gouvernement ne serait pas bien inspiré de changer de stratégie, d'essayer autre chose? Vous savez, vous n'y êtes pas du tout, M. Tagné. Mmh. Et vous et la très grande, la petite minorité, n'est-ce pas, de concitoyens qui pensent qu'au Grand Dialogue National n'a pas été un réel succès. La guerre se poursuit. Parce que la guerre se poursuit. Oui. Sinon, précisément, vous êtes décodé, vous êtes complètement en rupture de ce qui s'est fait au cours du Grand Dialogue National. Mmh. C'est que le Grand Dialogue National, contrairement à ces allégations mensongères, a été une réussite. Il était important que des fils et filles de ce pays s'assiedent avec les gouvernants pour d'abord, un, comprendre ce qui se passe sur le terrain, deux, proposer par eux-mêmes au président de la République du Cameroun des solutions de sortie de crise. C'était important. Rien que pour cela, attendez monsieur, permettez-moi, rien que déjà pour ce premier point analytique, le Grand Dialogue National a été un franc succès. Ensuite, vous savez, j'y étais humblement comme délégué de la nation parmi les délégués et comme rapporteur d'une des commissions, commission Toumi, commission présidée par Christian Cardinal Toumi, son éminence, la vénérable figure nationale, et chargée justement de plancher sur le retour des personnes, des réfugiés, des déplacés internes et externes. Oui. Donc je veux dire que la guerre se poursuit sur le terrain. C'est quel type de guerre que vous voyez? Initialement, l'orientation qu'utilisaient ces terroristes sécessionnistes, c'était vraiment de vouloir affronter nos forces de défense et de sécurité dans une guerre classique. Absolument. Vous vous rendez bien compte qu'on est maintenant dans une guerre asymétrique, qui font des coups d'éclat. C'est pratiquement une guérilla. Une guérilla où ils assassinent. Donc ça n'a plus rien à voir avec un matelas idéologique précis. Est-ce qu'il ne fallait pas s'y attendre? Parce qu'au fur et à mesure que la crise s'enlise, la nature même de la crise évolue également et dans le mauvais sens. Ben enfin, disons que ce que nous retenons... Est-ce qu'il ne fallait pas s'y attendre? Ce que nous retenons, c'est qu'il y a des acteurs exogènes qui alimentent et nourrissent ce climat de tension dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Mmh. Chaque fois que le pays amorce une sortie des crises et donc rentre dans une zone d'apaisement global dans ces deux régions, eh bien, c'est va-t-en-guerre, c'est jusqu'au boutiste qui ont un calendrier qui n'a rien à voir... Quand nous regardons de près avec ce que tous les acteurs nationaux, politiques ou si vous voulez, observateurs pensaient, eh bien nous retrouvons face à un calendrier qui est tout autre chose, dont la finalité est vraiment de détruire notre pays, n'est-ce pas, de braver notre stabilité. De créer la désolation et l'abomination au quotidien. Alors, beaucoup, comme solution de sortie de crise, proposent le cessez-le-feu, un dialogue inclusif, cette fois avec les vrais leaders de la sécession qui sont encore en prison, malgré ceux qui ont été libérés, comme l'a rappelé le président de la République. Quelque temps avant le Grand Dialogue National, le président de la République, effectivement, avait fait libérer quelques personnes. Il y a eu également désarmement et démobilisation et tout. Mais il y a quand même les principes leaders qui restent en prison, dont Ayoub Tabé. Alors donc, il y en a qui proposent cesser le feu, dialogue inclusif avec ces personnes-là. Est-ce que pour vous, c'est une solution qui est viable pour mettre fin à cette crise? Écoutez, j'ai le sentiment que ceux que vous citez là, sous cap, ne mettent pas sur la table les vraies propositions qu'ils se doivent de mettre sur la table. Pourquoi ils ne disent pas aux Camerounais comment nous devons nous y prendre pour que ceux qui financent cette guérilla dans les régions du Nord et du Sud-Ouest Cameroun, ceux qui commanditent ces crimes abominables, ces attentats, ceux qui font que des jeunes Camerounais égorgent, n'est-ce pas, leurs compatriotes au quotidien, pourquoi est-ce que
ces donneurs de leçons qui sont assez inattendument si éclairés. Alors, sur si la question, pourquoi est-ce qu'ils ne proposent pas précisément une solution précise pour que ces commanditaires-là arrêtent leur odyssée sanguinaire? Parce que je vais vous dire, moi, comme notable bantou, vous l'avez évoqué comme chef traditionnel, il y a un proverbe de la forêt d'où je viens, qui est un proverbe fort. Vous savez, il y a le gros chimpanzé que vous voyez devant vous, et il y a celui qui porte ce gros chimpanzé, voyez-vous. Donc, vous voyez ces jeunes, n'est-ce pas, ces complètement délirants, drogués, déshumanisés, ces hordes de barbares qui assassinent, qui égorgent au quotidien. Mais il n'y a pas que eux. Finalement, ils sont même moins dangereux que ceux qui les arment, qui envoient des financements mirobolants pour alimenter le sang, pour alimenter, n'est-ce pas, non seulement la haine, pour la destruction de notre pays. Oui. C'est la solution. S'il y a des gens qui pensent avoir la solution, c'est là qu'il faut aller la chercher d'abord. Donc, je veux dire que… Personnellement, pour finir, le président de la République, tout à fait en phase avec son gouvernement, parce que vous vous souviendrez que cela fait de longs mois que le gouvernement de la République, par la voix de son porte-parole, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, n'a eu de cesse précisément d'interpeller, d'en appeler justement à la responsabilité de ces pays amis du Cameroun, du reste, qui justement donnent l'asile inattendument, de la manière assez incroyable, à tous ceux qui financent la guerre, à tous ceux qui arment, ceux qui assassinent nos enfants. C'est pour cela que le président l'a pu dire aujourd'hui qu'en fait, la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'a même plus rien à voir avec ce qui pensait à une idéologie politique, de quelque nature que ce fût, puisque nous avons affaire simplement à des assassins, qui plus est, pour ne pas paraphraser le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, des assassins d'enfants. Et ce groupe de mots, vous, les commentateurs, vous n'avez pas fait grand cas de ce groupe de mots. Oui, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le temps n'est plus à l'esthétique politique politicienne, n'est-ce pas, si vous voulez, aux recettes puériles, n'est-ce pas, fantaisistes. Nous avons affaire à des assassins de nos enfants. C'est cela. Et face aux assassins, face aux terroristes, je disais sur une autre tribune à l'échelle du pays et du monde télévisuel, que dans aucun pays au monde véritablement démocratique, on a vu les gouvernants négocier avec des assassins, négocier avec des terroristes. Eh bien, le Cameroun, grand pays parmi les pays du monde, pays ayant sa place dans ce concert des nations, à l'instar de toutes les autres nations bien constituées, eh bien, n'est pas prêt, de mon point de vue, à s'asseoir avec les assassins de ses enfants. La République du Cameroun ne saurait justement échanger avec les assassins de ses enfants. Je vous propose, Charles Attanga-Manda, de regarder cet extrait du discours du président de la République et d'autres responsables politiques camerounais, donc celui du PCAN et du MRC, qui ont tenu à adresser l'œuvre aux Camerounais. Je vous propose de regarder ces extraits et nous revenons juste derrière pour en parler. Regretter que quelques-uns de nos compatriotes, regroupés autour d'une personnalité dont les ambitions avaient été déçues lors de la dernière élection présidentielle, aient profité des difficultés sécuritaires et sanitaires pour tenter de susciter une insurrection, forcément appelée marche pacifique. Grâce
à la maturité du peuple camerounais, ces marches ont heureusement été peu suivies. Est-il vraiment nécessaire de rappeler qu'en démocratie, l'accès aux responsabilités politiques est assuré par la voie des urnes et non par la rue, par certains médias ou par les réseaux sociaux? Ainsi se confirme chaque jour davantage notre volonté politique de mener à bien le projet démocratique répondant aux souhaits véritables du peuple camerounais. Projet initié dès mon accession à la magistrature suprême et qui a conduit quelques années plus tard à l'institution du multipartisme. Mes chers compatriotes, l'ensauvagement de l'appareil d'État, toutes institutions confondues, a franchi en 2020 un nouveau cap qui nous mène droit vers un totalitarisme décomplexé. Au Cameroun de M. Biya, le cynisme a atteint de nouveaux sommets. Non seulement on massacre, mais on interdit aux victimes des massacres et à tous les autres Camerounais d'exprimer leur douleur, leur désapprobation de la guerre fratricide qui saigne le pays et leur condamnation du hold-up électoral, de la corruption et des atteintes à la fortune publique. En 2020, pour avoir osé par des marches pacifiques à travers le pays, le 22 septembre, dénoncer les errements de M. Paul Biya et de son régime et proposer des solutions de sortie de crise, des milliers de Camerounais ont été brutalisés par la soldatesque du régime, torturés, mutilés et, pour 556 d'entre eux, détenus de manière illégale et arbitraire. À ce jour, 137 de ses compatriotes croupissent encore dans les geôles du régime, parmi lesquels 113, tous des civils, comparaissent devant des tribunaux militaires pour des chefs d'inculpation aussi vides que ridicules par certains aspects. Nos populations ont fait preuve d'un courage héroïque face à un déploiement sans précédent de la machine répressive du régime, digne d'une situation d'état de siège. Pour ce faire, tenons-nous prêts pour l'alternance. L'ordre gouvernant, malgré les apparences, est à bout de souffle. Je suis aujourd'hui bien placé dans ma posture de député de la nation, votre mandataire, pour mesurer l'ampleur de la décrépitude. Certains d'entre eux ont encore, sans doute, la volonté. Mais leur système est irrémédiablement englué dans ses propres ambiguïtés. Un an seulement après l'avènement de la loi portant code des collectivités territoriales décentralisées, loi votée dans le prolongement du Grand Dialogue National et qui prescrit un saut décisif vers l'autonomie des collectivités par l'octroi de 15% au moins des recettes de l'État au financement partiel de celles-ci au titre de la dotation générale de la décentralisation, le pouvoir, malgré nos cris d'orfraie, s'est entêté à faire voter une loi de finances qui consacre le statut quo ante. Une telle inertie au moment même où adviennent les conseils régionaux dénote au mieux de l'absence de volonté politique, au pire, de la volonté manifeste de nuire aux Camerounais. Le pouvoir s'agrippe désespérément et frénétiquement à ses propres mensonges, en donnant d'ailleurs parfois l'impression d'y croire. Avec un niveau d'endettement de 9 710 milliards, donc près de 50% de notre richesse nationale, qui est estimée à 20 000 milliards, le pouvoir affiche une stratégie nationale de développement outrancièrement chimérique qui prévoit la réalisation en 10 ans, de 2020 à 2030, de 15 grands projets dont un chemin de fer Douala-N'Djamena, un autre port en eau profonde à Limbé, trois barrages à Mentium, Manfé, Katina, Ala, etc. Une parure de belles intentions qui tente maladroitement de masquer une quinzaine d'autres grands projets qui engloutissent des milliards de francs depuis plus de 10 ans. Et dont l'achèvement pour certains est clairement incertain.
Voilà, retour dans ce studio. Vous avez donc écouté, en dehors du président de la République, deux autres acteurs politiques, Maurice Kamto du MRC et Cabral Libi du PCRN, qui sont adressés à la nation pour leurs vœux de fin d'année. D'abord, sur le principe de faire un discours à la nation, il y a une polémique. Est-ce que cette polémique est justifiée, Charles Attanganmanda? Pourquoi ces opposants ne feraient-ils pas de discours à la nation, eux aussi, pour adresser leurs vœux? Écoutez, vous savez, nous on n'est pas dans cette polémique. Mmh. La grande famille politique qui accompagne le président élu, le seul président élu par la grande et écrasante majorité du peuple camerounais, le président Paul Biya, eh bien, sa grande famille politique regarde cela comme un théâtre tout simplement folklorique. Mmh. Moi, je voudrais vous dire qu'en tant que spécialiste en communication politique, entre autres, je pense que c'est un peu maladroit et c'est contre-productif. Pour certains actants, comme disent les sémioticiens, de la scène politique, de vouloir singer, vous voyez, avec un matelas plus ou moins ridicule, la posture présidentielle. Les Camerounais se reconnaissent en un seul chef d'État, lequel se reconnaît en eux, Paul Biya. Mmh. Et je pense que, pour être tout à fait précis, le choix des mots à lui tout seul, la posture des uns et des autres, est tellement en rupture avec la posture gouvernementale, étatique. Le très grand homme d'État que nous avons d'abord suivi tout à l'heure, le président de la République, l'élu de la nation, et vous voyez à quel point, quand son premier opposant, vous avez bien voulu faire que c'est lui qui parle en premier, le premier qui s'exprime en premier sur votre antenne, vous avez choisi un extrait, l'ensauvagement, le totalitarisme. Et ce monsieur prend sur lui d'appeler les forces armées camerounaises, les forces nationales de défense et de sécurité du Cameroun, la soldatesque, voyez-vous. Donc on comprend bien que nous n'avons pas là affaire à un homme d'État. Hein, quand M. Kamto s'exprime ainsi, vous savez, nous on fait une analyse en sémiotique, on dit on ne sort pas du texte, le sémioticien s'immerge dans le texte. Nous avons suivi l'extrait que vous avez bien voulu nous servir tout à l'heure. Oui. Ce monsieur prend sur lui d'insulter les forces armées camerounaises. Le Cameroun qu'il voudrait diriger, un des fleurons de la nation, fleurons de la République, l'armée camerounaise. Vous êtes un homme politique, vous dites que vous faites un discours à la nation. D'abord, vous n'en avez ni qualité ni compétence pour faire un discours à la nation. Donc, oui. Je veux dire que nous évacuons cela parce que nous sommes confortés simplement par le folklore que charrie ces postures pseudo-présidentielles. Vous avez vu aussi le deuxième opposant qui est, de notre point de vue, député de la nation et donc, dans la mouvance démocratique, il a son mot à dire, mais sera-ce véritablement une adresse à la nation qu'il devrait faire, encore une fois? Lui-même, quand vous l'écoutez, il est vraiment va-t-en-guerre, même sa gestuelle, vous comprenez bien qu'il a encore du chemin à faire en termes de stabilisation de sa posture d'homme d'État. Donc tout ça, les Camerounais sont d'une culture politique et démocratique affinée que eux-mêmes, savent très rapidement faire le distinguo entre l'homme d'État, très grand homme d'État que le président Biya, et quelques apprentis de la scène politique qui pensent qu'ils peuvent déjà s'adresser à la nation en posture présidentielle. Alors, maintenant, revenons dans le fond du discours du président de la République, Charles Attanganmanda. Je vais vous citer un extrait. Est-il vraiment, dit le président de la République, est-il vraiment nécessaire de rappeler qu'en démocratie, l'accès aux responsabilités politiques est assuré par la voix des urnes et non par la rue, par certains médias ou par les réseaux sociaux? Alors, c'est le président de la République qui s'exprime ainsi. Mais Charles Attanganmanda, vous et moi, nous connaissons quand même un certain nombre d'exigences de la démocratie. La démocratie, c'est marcher, protester, contester, critiquer. Ce sont des droits dans une démocratie. Alors, vous avez choisi seulement la démocratie telle que vous la comprenez. Fonctionne de manière universelle. La démocratie est vaste. Vous ne pouvez pas parler de la démocratie en commençant par marcher, critiquer. Mais monsieur Tanié, encore une fois, parce que justement, il est en train de contester. Encore une fois, je vais vous renvoyer cette fois-là dans une autre école. Oui. Justement, vous allez refaire votre culture politique puisque de temps en temps, il m'arrive de vous inviter à nous retrouver. Je vous ai posé une question précise. Je réponds à votre question en vous disant que le président de la République
est dans le très bon sens de la compréhension des choses et il la partage avec ses compatriotes. La dévolution du pouvoir dans une démocratie comme la nôtre se fait par les urnes et non par la rue. Il l'a dit, on est bien d'accord. Très bien. Et donc, de mon point de vue... Dans quel type de démocratie, je vais vous poser la question s'il vous plaît, voilà. Dans quel type de démocratie est-ce qu'on séquestre ses adversaires ou les emprisonne? Ben écoutez, est-ce que manifester, critiquer, contester sont interdits dans une démocratie? Ben justement, la question elle est très claire. Justement, monsieur oui. Tagne... Oui. Vous avez eu l'intelligence journalistique de démarrer cette émission avec le théâtre américain, le lendemain des élections aux États-Unis. Mais oui, bien sûr, M. Trump, vous direz aujourd'hui que vous n'allez pas nous empêcher d'aller investir le Capitole parce que vous vous dites que nous, on a perdu une élection, que nous, nous avons gagné. Mais alors, ce n'est pas cela la démocratie, monsieur. C'est-à-dire que la démocratie, précisément, vous interdit d'entrer dans une posture insurrectionnelle. La démocratie... C'est-à-dire une posture insurrectionnelle. Ben, c'est-à-dire qu'une élection présidentielle a déjà eu lieu. Vous fûtes candidat. Vous avez accepté tout le processus électoral. Non seulement vous avez fait beaucoup de pieds de nez à ce processus, c'est-à-dire que vous vous autoproclamez président avant même que les premiers dépouillements aient été enclenchés, etc. Mais revenons sur la dernière strophe des sorties inattendues, les derniers événements. Mais attendez, vous prenez sur vous de vous mettre sur la scène publique pour donner un ultimatum au président de la République élu par le peuple camerounais en lui disant, si vous faites l'erreur, si vous vous amusez à convoquer quelques cours électoraux que ce fût, pour pouvoir organiser quelques élections que ce fût, nous allons appeler les Camerounais à aller dans la rue pour vous chasser du pouvoir. Vous savez que... Quand nous vivons dans ce monde aujourd'hui, je le dis toujours, la vie politique, la politique en soi est une discipline particulière. Oui. Vous avez vu M. Trump se fendre d'un discours disant à ses affidés que nous n'allons pas les laisser faire. Il faut même que nous avancions, que nous arrivions au Capitole. Vous avez vu ce que ça a donné. Donc, c'est un parallèle extraordinaire. Je vous en félicite d'avoir eu l'idée, une fois de plus, en début de cette émission, de me permettre de donner mon regard sur les événements aux États-Unis. Revenons au Cameroun, et donc, Charles je suis au Cameroun avec vous, ça revenons tombe bien. Cameroun, mais c'est vous qui avez l'habitude de convoquer les situations internationales quand ça vous arrange. Permettez aujourd'hui que, sans que ça nous arrange outre mesure, mais que les événements donnent raison à l'ordre gouvernant au Cameroun. Précisément, le président de la République... personne n'a séquestré personne. Vous ne pouvez pas être un citoyen d'un pays. Vous perdez une élection. Au lieu d'avoir une posture républicaine, vous vous décidez justement de braver la République entière. Vous décidez de maintenir la scène politique dans une tension inutile. Parce que la vie politique doit aussi être graduelle, étape après étape. Vous ne voulez pas prendre le pouvoir tout de suite parce que vous dites « moi, je vais déjà chasser celui qui est là ». Ce n'est pas cela la démocratie. Le président de la République dit que à ceux qui critiquent les imperfections de la démocratie camerounaise, le président de la République répond que nous n'avons eu que quelques décennies pour la mettre en place. Sauf que quand on regarde la scène politique camerounaise aujourd'hui, Charles Attanganamanda, vous l'observez comme moi-même, comme vous êtes conseiller municipal d'un parti politique, mais ce n'est pas un problème. Donc, depuis 1990, date du retour au multipartisme, on a l'impression que notre démocratie a marqué le pas sur place. Et pour citer Abel Eyinga qui parlait du Cameroun comme d'un modèle de démocratie régressive, est-ce que ça ne ressemble pas à une excuse tout le temps la prétendue jeunesse du Cameroun pour justifier le manque d'avancée politique? Non, je pense qu'avant, là vous lisez partiellement et de façon non seulement parcellaire, mais partielle. Et même, je veux dire que de manière saltatoire, qu'aujourd'hui le texte on continue d'arrêter les gens le président de la République, marche, avant d'en arriver, est-ce que ce n'est pas un recul? Avant d'en arriver à cette indication, on a d'abord tenu à rafraîchir la mémoire de l'opinion nationale et internationale sur tout ce que le Cameroun a mis en place au plan institutionnel, sur l'évolution de notre démocratie. Eh bien, il en arrive donc, si vous voulez, à faire comme... Et je l'indiquais qu'il y a le temps du président de la République, c'était le troisième élément analytique de l'adresse du chef de l'État à la nation. J'ai précisé que c'était une adresse à la nation
qui était programmatique par rapport à la décennie qui arrive, 2020-2030. Une adresse qui était aussi une adresse de compte-rendu d'opinion entre ce que nous venons de vivre en 2021 et davantage encore la décennie qui s'achève 2010-2020. Oui. Et je crois le troisième élément au plan analytique pur, au plan d'analyse du discours, c'est précisément le temps du président. Dans le temps présidentiel, il prend lui aussi l'instant important de montrer à ses compatriotes à quel point au quotidien il suit tout ce qui se met en place, tout ce qui se dit sur son pouvoir, tout ce qui se dit sur son pays. Et donc il répond à ses pourfendeurs, à ses censeurs autoproclamés qui l'osent à loisir en disant que notre démocratie... Vous diriez que la démocratie camerounaise se porte bien, franchement? Mais écoutez, moi je pense que si je regarde la scène internationale et africaine tout à côté de nous, je dirais que le Cameroun doit être fier, n'est-ce pas, de construire une nation, d'avancer au plan démocratique année après année, anneau après anneau. Et j'aime bien citer Aimé Césaire. Oui. Césaire qui dit « Une nation n'est pas une création, c'est un mûrissement anneau après anneau, année après année, dont la démocratie camerounaise va mûrissant année après année, anneau après anneau. » On parlait des principes de la démocratie tout à l'heure ou alors d'un certain nombre de caractéristiques de la démocratie. Il y a également le respect des droits de l'homme. On est bien d'accord. On est d'accord. Petit cas pratique, Charles Attaramanda. Avril 2020, un jeune Camerounais descend à la poste centrale. Il est un peu plus de 20 heures. Il s'appelle Sébastien Ebala. Les mains nues, il est accompagné de deux personnes armées de leur téléphone qui le filment et il demande le départ du président Paul Biya. Sébastien Ebala est arrêté, torturé et aujourd'hui croupi dans les geôles de Kondengui depuis plus de 7 mois. C'est toujours vous savez, il faut faire attention. Ça, la démocratie. Il faut faire attention à ce genre de clichés. Moi, je voudrais pas... C'est une réalité. Il a été arrêté, je voudrais pas... il a été maltraité, on a quand même un certain nombre d'images et jusqu'aujourd'hui, il est en prison, il n'a jamais été jugé. Quel est le crime de ce jeune homme? Je vous laisse le soin. D'abord, je vais vous dire, moi, je vous ai dit d'entrée d'émission, j'appartiens à la génération démocratie. Absolument. La génération Biya. Je suis un enfant du renouveau national qui a grandi, qui a mûri. Je ne vais pas dire qu'il commence à vieillir, pourquoi pas. Donc c'est normal. Mais je crois que, comme humaniste, le président Biya est un homme qui a mis l'homme, la Camerounaise, le Camerounais, le jeune Camerounais, au cœur de sa vision sociale, au cœur de son projet de société. Ce n'est pas après 38 ans, n'est-ce pas, aux affaires, au service de sa nation, au service de son peuple, que le président Biya va se découvrir un visage d'autocrate, va se découvrir un visage, n'est-ce pas, de dictateur. Je voulais vous dire que... C'est surprenant, surtout que le président de la République, vous qui connaissez ses discours, disait une fois qu'on n'a plus besoin de prendre le maquis pour exprimer ses opinions. Et ça le reste, la preuve. Dites-moi, monsieur Tagné, en Afrique, y a-t-il un président, un chef d'État autant, n'est-ce pas, attaqué dans l'espace public, autant bravé que le président Biya? Vous avez vu son élégance politique. Vous avez vu même au soir du 31 décembre 2020, quand il s'adresse à la nation, après que tout au long de l'année, vous et moi, nous sommes au quotidien, c'est ma tasse de thé, c'est mon travail, compulser l'actualité, l'observer, l'analyser, n'est-ce pas, et aller au-delà de ce qu'il faut après l'analyse, je ne vais pas le dire ici. Mais vous savez très bien que le président Biya a toujours su rester d'une élégance politique et managériale exceptionnelle. Comment on doit expliquer toutes ces interpellations? Je pense que... On les attribuera à ses collaborateurs. Nous sommes dans une république. Oui. Nous sommes dans une république. Et je vais vous dire la liberté, ce que c'est. Oui. La liberté, c'est d'abord le respect des lois. Quand vous voulez être libre dans un espace de liberté comme le nôtre, le Cameroun est un espace de liberté. Oui. Commencez par respecter les lois. Vous n'allez pas vous dire que parce qu'on est dans une démocratie, eh bien nous devons vivre dans un univers où la liberté s'assimile au libertinage. Ce n'est pas possible. Parce que sinon, on sera dans une espèce de Far West où dès que M. Tagné dit un petit mot, Monsieur X sort son arme, fait ce qu'il veut de lui, etc. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du respect des lois. Et dans une république comme la nôtre, nous avons des compatriotes, des concitoyens et concitoyennes qui ont été formés pour nous appeler, vous et moi et les autres, à respecter la loi, nous rappeler à chaque fois qu'attention, quand vous êtes en route pour conduire, tout à l'heure vous m'avez accueilli dans ce site assez sympathique au plan télévisuel, n'est-ce pas? Mais je suis venu au volant de ma voiture, respectant le code de la route.
Si je me mets à conduire en quittant le côté, je dois conduire pour aller de l'autre côté. J'ai violé la réglementation routière. Alors, donc, c'est la même chose dans l'espace public. C'est-à-dire que je voudrais que vous et moi, nous nous souvenions de qui nous sommes à l'origine. Dans une autre vie, moi, je suis un pédagogue de la masse. Et comme pédagogue de la masse, j'interpelle toujours mes concitoyens en leur disant « il faut respecter les lois ». Ce n'est pas parce que vous êtes un homme politique que vous devez prendre licence d'insulter à corps et à cri tout le monde. Alors, je voulais m'arrêter un instant sur un élément que je n'ai pas évoqué tout à l'heure en écoutant M. Cabral Libi très rapidement. Oui. Pour dire que, par exemple, M. Libi, personnellement, c'est un homme politique qui est dans son rôle, n'est-ce pas, de donner des pics au pouvoir en place. C'est de la politique. Maintenant, à lui et ceux qui sont avec lui, de voir qu'est-ce qu'ils doivent rectifier. Ce que j'ai dit au début était vrai. Qu'il regarde encore sa posture, comment il parle. Oui. Il y a encore des choses à ajouter. Sauf que lui, il est dans la mouvance républicaine. Et ce n'est pas parce qu'on est dans cette mouvance républicaine qu'on ne peut pas critiquer le pouvoir en place. Et le pouvoir en place est très ouvert à la critique. Absolument. Et ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui me démentirez, M. Oui. Tagné. Et donc, personnellement, j'aurais conseillé ces opposants, je leur aurais dit le 31 décembre, ne vous fendez pas inutilement, n'est-ce pas, des discours folkloriques dans la nation. Faites des messages à vos militants, à vos sympathisants, et ce serait bien. Et laissez le chef de la nation s'adresser dans un cadre républicain régalien à la nation entière. La preuve en est que très peu de Camerounais les écoutent. Oui. Ils s'adressent à un certain public. Tous les Camerounais attendent et ont reçu, attendent chaque année l'adresse du président Paul Biya et l'ont reçu dans les formes avec une fierté tout à fait naturelle. Charles Atanamanda, vous parliez tout à l'heure du respect de la loi, des lois dans une démocratie. Alors, Paul Biya doit partir. Il y a quelle infraction dans un tel propos? Ben écoutez, ce n'était que ça. Vous savez, M. Tagné, le Cameroun n'a pas commencé le débat politique en 2018 avec l'arrivée de M. Kamto sur la scène, avec l'élection présidentielle. Heureusement. Et il a eu des citoyens de ce pays, frères à vous et moi, certains de nos aînés. Voudriez-vous que je vous parle de John Frundi, qui se sont levés, qui ont dit « nous, on va diriger le Cameroun ». Vous savez tous que ces gens-là ont employé comme propos ?« Bien, must go ». Ben alors, ce n'est que ça. À quel moment? Donc, je vous dis que ça, il faut toujours, pour comprendre les événements que nous vivons, essayer de convoquer le passé. Et quand vous convoquez le passé, ça vous permettra de bien entrevoir non seulement l'instant T, surtout l'instant T plus 1, c'est-à-dire là où nous allons. Et le président Biya, franchement, a voulu bâtir et a tenu bon jusqu'à ce jour, bâtir une république démocratique, permettre à ses compatriotes de s'exprimer, de critiquer, n'est-ce pas, son action, lui-même et son gouvernement, à chaque moment de l'histoire de notre pays. Et à chaque fois, son gouvernement et lui-même ont su répondre, ont su montrer leur action, ont su précisément se mettre à chaque fois dans le bon sens de l'histoire. Parce que ce qui est important pour le président Biya, c'est toujours tenir sa charge dans le strict respect de ses missions, à savoir se battre, tout donner pour le peuple camerounais, pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Ce n'est facile nulle part ni pour personne dans le monde. Aucun chef d'État au monde ne peut dire « moi je suis venu aux affaires, j'ai géré mon pays avec une facilité et tout va bien ». Non. Donc, je termine en disant que non, ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que Paul Biya est parti et qu'il y a eu problème. C'est que je vous demande de suivre tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été ourdi, instrumentalisé. Vous savez, ma posture, quand vous m'appelez, c'est parce que vous savez un peu d'où je viens, où est-ce que je travaille. Et qu'est-ce que... Vous savez bien, je ne vais pas le dire ici. Je peux un peu humblement, M. Tagné, vous dire que je suis un des Camerounais les plus informés. L'État m'a mis à une posture où j'ai l'obligation de tout connaître. Ceux qui entrent comme ceux qui sortent dans mon pays. Oui. Donc, vous savez très bien tout ce qui a été ourdi. Dans ce Biya doit partir, dans cette marche qui était une marche insurrectionnelle, qui n'avait rien à voir avec une marche pacifique, dans ce pays des marches pacifiques, il y en a eu dans l'histoire du Cameroun, sous le renouveau national, je vais vous le dire. Il y a eu des marches. Hein. Donc, il y a même assez des rare. Camerounais. Assez rare quand même. Il y a des Camerounais qui ont rompu les bancs du RDPC du président Biya. Voudriez-vous que je vous parle de Jean-Jacques Ekindi à une époque qui était, et qui le reste, une grande figure politique de notre pays, et qui a rompu les bancs. On a vu ces gens-là faire des grands meetings, dire ce qu'ils pensent. Au Cameroun, je voudrais le dire à l'attention des citoyens du monde, à l'échelle du pays et du monde, qu'au Cameroun, chaque Camerounais est libre de dire ce qu'il veut,
Chaque Camerounais est libre de critiquer l'action du gouvernement, de critiquer l'action présidentielle. Je ne suis pas sûr Mais la liberté ne veut pas dire justement prendre sur soi, se donner licence de braver les lois et règlements de la République, se donner licence de construire, d'ourdir une insurrection. Je ne suis pas sûr ce n'est pas ça la démocratie. Oui. Quand vous dites que chaque Camerounais est libre bien de sûr. Dire ce qu'il veut, je vous Vous-même, M. Taillé, voudriez-vous que voudriez-vous que je vous parle de vous? Vous savez le nombre de choses que vous écrivez souvent. À quel moment est-ce que vous avez été un temps soit peu seulement inquiété? On ne parlera mais pas de je moi, lis souvent vos écrits, je sursaute, je dis, mais ce bonhomme, si je le rencontre, il faut bien que lui et moi on s'explique parce qu'il s'attaque à ma famille politique. Mais sérieusement. Je ne suis pas sûr que Sébastien Ebala et tous les autres partageraient ce même optimisme. Alors, mais vous avez quand même été d'accord avec moi sur le fait que j'interpelle tous les jeunes concitoyens. Mais voyez, M. Cabral-Libi. Moi, parfois, je le prends en exemple. Même quand c'est normal, lui et moi, on n'aime pas de la même famille politique. Je le critique comme lui critique ma famille politique. Je dis, il a encore du chemin à faire, etc. Et il veut déjà arriver avant d'avoir fait du chemin. Ça, c'est normal qu'on s'envoie des pics. Comme lui-même, il dit que le régime est poussif et tout ça. Mais lui, il a encore du chemin à faire. Et je veux dire, mais lui, c'est un homme politique qui est rentré dans la scène, qui essaie de comprendre ce que c'est qu'une république. C'est important. Et il faut y aller avec un peu d'humilité. Moi, je crois qu'aujourd'hui, quand je regarde la scène, tout le monde va arriver très vite. Tout le monde va être riche très vite. Tout le monde va avoir beaucoup d'argent. Vous savez, nous sommes dans le système. Souvent, certains nous voient. Je peux vous dire que je suis un des fonctionnaires de la République les plus modestes, les plus, je ne veux pas dire pauvres, mais vraiment. Mais ma fierté, ma richesse est ailleurs. Vous savez, il n'y a pas, monsieur Tagné, vous savez, la fierté qu'il y a de pouvoir être utile à son pays. Voyez-vous. Et moi, je rêvais de ça, être quelqu'un qui compte dans son pays. Et j'ai le sentiment tous les jours que je réalise mon rêve. Oui. J'ai jamais rêvé avoir beaucoup d'argent et de machin. Alors, sortons par malheureusement, c'est le cas dans notre pays pour plusieurs jeunes gens. Oui, sortons par là, Charles Attamanda. Est-ce qu'il vous arrive de vous imaginer que vous pourrez vous retrouver demain aussi dans l'opposition? Oui, bien sûr. Vous savez, sinon, et que vous n'aimeriez pas subir ce que les opposants subissent. Sinon, je ne serais pas un homme politique. Oui. Et d'ailleurs, je pense que quand vous Et c'est une perspective qui vous inquiète. Quand vous m'écoutez, non, je n'ai jamais été inquiet. C'est pour ça que je dis, c'est quoi être un homme d'État? Il m'est arrivé aussi de convoquer, d'être étonné de voir certains de nos concitoyens qui ont été à des postures très relevées à une époque et qui parfois... Oui, mais M. Tain, je vais vous dire, merci pour cette question. Mais la politique, c'est la voie la plus susceptible de vous faire briller. C'est aussi la voie la plus susceptible de vous perdre. Donc, je suis conscient tous les jours de ce que je suis entré dans une discipline dangereuse. C'est pour cela que certains disent, oh, vraiment, tu as traîné vraiment de longues années sous directeur, de très longues années directeur, tu es toujours sur place. Mais je leur dis, laissez faire le temps de Dieu. Parce qu'il y en a qui prennent des raccourcis pour vite arriver. Ils ne comprennent pas que plus vous vous approchez, vous voyez, j'ai déjà quelques perles de sueur sur le visage, plus la lumière est proche, plus vous êtes susceptible de pouvoir vous brûler. Donc, je crois qu'il faut comprendre ces choses. Donc, moi, je suis de ceux qui ont été fort bien préparés. Et j'ai un privilège extraordinaire, c'est que dans ma carrière, je n'ai côtoyé que des grands hommes d'État, des très hauts commis de l'État qui maîtrisent le fonctionnement étatique. Pourriez-vous imaginer le trésor d'enseignement que je ressors auprès de René Emmanuel Sadi, qui est pour moi est un notable de la République. Et donc, il y a des entretiens, souvent nous avons, qui quittent la sphère de la communication gouvernementale. Nous échangeons sur la vie politique dans le monde. Si un jour je me retrouve dans l'opposition, comme vous le subodorez avec ma famille politique, mais pour l'instant, nous sommes là aux affaires, nous travaillons pour le Cameroun, pour le peuple camerounais. Et je vais vous dire, c'est très exaltant. Je vais vous dire à quel point, quand je réalise que sur 7 jours de la semaine, je suis au service humblement de mon pays, 7 jours sur 7, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas de prix, c'est un trésor extraordinaire. Et donc, oui, je ne pense pas travailler comme cela pour que je sois dans l'opposition demain. Donc, M. Tain, je vous réponds en homme politique de maintenant. C'est que nous travaillons pour être utiles à notre pays. Nous travaillons pour apporter aussi du rêve aux jeunes générations. Vous savez, le nombre de jeunes gens qui me disent vraiment, Majesté, on aimerait être comme vous. On vous suit. Ils sont nombreux qui arrivent sur ma page Facebook. Je suis étudiant en sciences politiques, je suis étudiant en ceci, cela, je vous suis tout le temps. Franchement, vous nous donnez des forces d'avancer. Et c'est cela, c'est important. Nous devons... Vous et moi et les autres, nous positionner comme des référents sociaux, comme si vous voulez, des phares de notre société. Hey. C'est important. Sinon, une société qui n'a plus pour seul référent que des femmes, que des hommes qui prennent de l'argent, qui rentrent dans la facilité, non. Pour moi, ce n'est pas l'argent qui crée le développement, c'est le travail.
L'argent n'est pas une valeur, c'est le travail qui est de la valeur. Oui. Tous ceux qui ont fait un peu d'études, en économie du développement et autres, vous le diront. Donc, oui, votre question est un peu insidieuse. J'espère que vous ne me souhaitez pas d'aller dans l'opposition demain avec ma famille politique. Non. Dans tous les cas, nous travaillons pour les Camerounais au quotidien. Nous avons, moi, vous savez, je me considère comme aujourd'hui... c'est pas comme un colonel dans les forces médiatiques nationales et un colonel parmi les anciens. Et j'aurais pu dire général, mais je reste modeste. Mais globalement, je crois que le plus important, c'est d'avoir le Cameroun dans son cœur. Le plus important, c'est aussi d'avoir de la fraternité. Vous voyez comment vous et moi nous fraternisons. Oui. Il est arrivé que certains disent, oui, Tanya n'est pas avec vous. Mais je n'ai pas besoin de savoir que M. Tanya est en tel parti politique. Je considère M. Jean-Bruno Tain comme un journaliste qui est iconoclaste, c'est son droit. Je peux aussi le considérer comme un concitoyen qui n'a pas toujours le pouvoir en place, en estime. C'est son droit, mais je sais qu'il sait que ce n'est pas facile de gouverner. Oui. Et on s'en rend compte quand on écoute certains opposants, que j'ai écouté un opposant là qui lui-même dit... Non, vous n'allez pas revenir qui parle d'un cri d'orfraie. Oui. Vous savez bien quand quelqu'un dit malgré nos cris d'orfraie, c'est ce que ça veut dire. Non, globalement, je crois que nous sommes un grand pays, M. Tanya. Nous devons quand même d'avoir à cœur le Cameroun parce que le président Biya, pour terminer par là, nous analysions son discours du 31 décembre 2020 ce soir, vous et moi, vous m'avez invité pour cela. Quand vous l'écoutez, vous voyez, il a à cœur, n'est-ce pas, que nous restions dans la démocratie apaisée. La politique, ce n'est pas la guerre, la politique, c'est un jeu. Et c'est pour ça qu'hier, M. Kamto était ministre de la République. S'il pouvait être un opposant républicain et citoyen, comme ce serait beau. C'est pour ça que je salue M. Cabral Ebi, qui, même quand il envoie des pics, reste dans la posture républicaine. Parce que ce qui nous unit doit toujours être plus fort que ce qui nous divise. Qu'est-ce qui nous unit, M. Tanya? La République, voilà, nous devons tous la sacraliser. Merci, Charles Attermanda. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette première édition de Autant le dire de l'année 2021 avec notre invité, Charles Attermanda. Il est conseiller municipal RDPC. Il est également directeur de l'Observatoire de l'opinion publique et des médias au ministère de la Communication. Il nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.